l'imagination est plus importante que les savoirs. Albert Einstein, mesdames, messieurs, très heureux d'être avec vous pour le compte, bien sûr, de cette émission dénommée Web Entrepreneuriat, une émission consacrée à la promotion des entrepreneurs congolais. Alors, mesdames, messieurs, aujourd'hui, on consacre toute une émission pour l'histoire alarmante de Schoolab. Et je reçois pour vous, mesdames, messieurs, l'initiateur de projet Schoolab, à qui j'ai dit rapidement bonsoir, monsieur Pascal. Bonsoir. Vous allez très bien ? Très bien. C'était une journée un peu chargée, hein ? Ah oui. C'était pas facile. Comme d'habitude. Alors aujourd'hui, il y a des gens qui disent je serai couronné. Vous êtes couronné aujourd'hui. Mais derrière tout ça, il y a une histoire. Derrière tout ça, il y a eu des sacrifices. Alors, on va consacrer toute une émission aujourd'hui pour parler de l'histoire de Schoolab. Êtes-vous prêt pour ça? Oui. Alors, on ne va pas danser avant la musique. Avant cela, si vous allez permettre, M. Pascal Canic, on va suivre une vidéo qu'on a prévue pour vous et on va revenir tout juste après pour un tout petit peu commenter sur cette vidéo. Alors, si nous sommes de mèche avec mon équipe technique, nous allons souffler un tout petit peu en image. On va vous présenter cette vidéo et nous allons revenir tout juste après pour entrer dans le vif de cette émission. Alors, si nous sommes de connivence avec la régie, nous allons suivre cette émission et on se retrouve tout juste après. C'est parti en image. Faut savoir, par exemple, si je vais parler de l'exemple de la Tunisie qui a mis en place le Startup Act, qui est un dispositif très intelligent qui permet d'accompagner les startups dans la partie la plus où ils sont les plus fragiles, avec des exonérations fiscales les premières années. Et par exemple aussi un dispositif très intéressant, c'est la possibilité pour un. Alors vraiment, je voudrais prendre 5 minutes si vous permettez, parce que c'est comme c'est 5. Comme si oui bon 3 2 2 voilà. Donc, c'est comme si tout se rejoint ici. Parce que c'est vraiment un pur hasard. Parce qu'un cadique, moi, je le découvre 2 semaines après ma nomination. Il y a un jeune qui arrive dans mon bureau. Il me dit, voilà, on a inventé une application pour, aider l'éducation nationale congolaise qui a de gros problèmes. On est nominé pour un prix à Zurich. Et donc, qu'est-ce que vous pouvez faire pour nous? Je dis, écoutez, moi, j'ai pas d'argent. Mais je peux vous donner un courrier d'encouragement. Ce qu'ils n'avaient jamais eu depuis le début de. Ils sont partis en Suisse, ils ont gagné ce prix. Parce qu'Akanik travaillait chez Vodacom. C'est un peu propriétaire de l'école congolaise. Il a été formé à l'Unikin, mathématicien. Il a travaillé chez Vodacom, il a fait une brillante carrière de 2-3 ans avant d'avoir cette idée d'aider l'éducation congolaise. Parce que chez Vodacom, il y avait un programme d'éducation qui lui a permis de voyager dans tout le pays au niveau d'éducation. Et il a vu le désastre de l'éducation congolaise. Il a démissionné de chez Vodacom, on a voulu le retenir, pour développer son idée. Il s'est appauvri, mais finalement, son idée a été reconnue en Suisse. Je l'ai amené chez le président. Il a expliqué son parcours au président, qui n'en revenait pas. Qu'un Congolais de moins de 30 ans s'intéresse plus, alors qu'il a une bonne position chez Vodacom, à prendre un risque comme ça et pour son pays. Parce qu'il considère qu'en fait, son pays l'a formé, c'est ce qu'il dit. Son pays l'a formé à l'UNIKIN et il doit rendre à son pays ce que son pays lui a donné. La Robank a compris ce qui s'est passé et ce qui se passe. Et excellent retour, mesdames, messieurs, après cet élément qui vous a fait énormément plaisir. Sûrement, vous vous êtes dit, mais c'était quoi? Dominique Miguiche a parlé de quoi? Alors, il s'agit bien sûr de Pascal Canic et nous sommes avec lui ici dans notre plateau, ici, dans la start-up même de Schoolab. Alors, monsieur Pascal Canic, cette vidéo, quand vous avez suivi ça, Dominique Miguiche vous a tantôt cité, il a pris son temps, il a même demandé 5 minutes pour parler de vous. Comment ça vous a fait? Bon, c'est d'abord, j'ai l'impression, je suis heureux. C'est une sorte de reconnaissance aussi. Je remercie beaucoup le conseiller spécial, Dominique Miguiche, qui est un monsieur très dynamique d'abord, qui nous accompagne, qui nous soutient, comme il accompagne toutes les autres initiatives locales. C'est un des dirigeants aujourd'hui ou des décideurs ou de personnalités
qui accompagne les start-up ici en local. Donc au nom d'Esculap, je lui dis merci, au nom de tous les entrepreneurs, parce qu'il est toujours disponible pour recevoir les jeunes, pour les encourager, comme il l'a fait pour nous, comme il l'a fait dans cette vidéo. C'est une façon pour lui de contribuer à l'émergence, en soutenant les jeunes, en les appuyant, en les mettant aussi en lumière. Donc c'est une... en tout cas, j'ai un sentiment de gratitude à son égard. Et je les remercie pour avoir pris le temps d'illustrer un peu nos débuts, comment ça a été difficile, comment nous avons pris des risques énormes. Moi, avec mon collaborateur, l'abbé Guy José, qui est un prêtre, qui a demandé à son évêque, Monseigneur José Moko, qui est un de mes parrains, de mon parrain, que je salue en passant. Et parmi les personnes qui nous ont vraiment soutenus, quand on a commencé, d'ailleurs, je me souviens, j'ai travaillé encore chez Vodacom, j'hésitais, je voulais partir démissionner, mais j'hésitais. Et j'ai rencontré l'évêque José un jour à la cathédrale. Après une messe avec à l'époque le cardinal Monseigneur, je lui ai dit, mon père, je vais quitter mon emploi pour me lancer dans l'entrepreneuriat. Mais j'ai un peu de doutes. Qu'est-ce que vous pensez? Je me souviens, c'est parmi des rares, très rares personnes qui directement m'ont poussé à cette grande décision. Il m'a dit, Pascal, il faut savoir lire les signes de temps. S'il est temps, donc il est temps de partir. Pourquoi tu hésites? Prends les risques. Vous imaginez, vous avez beaucoup, vous avez votre petite vie avec les moyens suffisants pour vivre, pour faire sa vie et tout ça. C'était un luxe à l'époque de travailler chez Vodacom. Oui, parce que c'était bien. Je n'avais pas de problème dans mon travail. J'avais mon chef qui m'aimait beaucoup, qui m'aimait bien, un parent pour moi, mais c'est Paulin Iquala, qui est parmi les personnes qui m'ont enfin soutenu aussi. Parce qu'au début, il ne voulait pas que je parte, parce qu'il se disait, mais ces jeunes, est-ce qu'il est fou ou quoi? Qu'est-ce qu'il veut aller faire? Il veut aller où? Parce qu'il savait que je ne vais pas aller à la concurrence, je vais juste partir. Et M. Paulin, c'est qui est d'abord un mentor, parce que c'est lui qui m'a formé. C'est lui qui m'a donné les connaissances que j'ai aujourd'hui dans la vente, distribution, stratégie, business et tout ça. Et d'ailleurs, je suis très content de travailler avec son fils, Afidou. Pour commencer, Pascal Canic, je l'ai connu chez Vodacom, parce que j'allais souvent chez Vodacom, vu qu'il a travaillé avec mon père. Et un jour, je me rappelle, je suis venu le voir, parce que j'ai passé toujours par lui avant d'aller voir le vieux. Il m'a parlé de l'Abeski à l'époque. Il m'a dit, non, j'ai encore créé une entreprise et tout et tout. Si tu peux, on peut travailler ensemble. Moi, j'ai rigolé. Et c'était, à l'époque, c'était en face de l'usine Pierre de la Gombe. Mais j'ai rigolé, j'ai dit, ouais, je suis passé, tout ça. Et puis après, on a pris le temps de s'asseoir. Il m'a expliqué en profondeur, au fait, c'était quoi l'Abeski. Donc c'était un laboratoire, en fait, des services électroniques et tout. Et à l'époque, je travaillais chez FBN Bank. J'étais agent commercial chez FBN Bank. Donc, vu la vision que l'Abeski avait, et cette vision-là s'est embrassée avec la mienne. Donc du coup, j'ai dû quitter FBN Bank pour m'associer à Pascal et à la Beggy pour au fait avancer et travailler dans la Besky. Bon, ce choix-là a été un peu compliqué au début parce qu'il y avait des amis qui venaient à la maison, qui travaillaient déjà, qui étaient aisés chez eux. Et moi, j'avais eu beaucoup de propositions d'emploi que j'ai refusées. Et j'ai dû céder un moment à la pression familiale de ma mère surtout. Et je suis rentré encore dans les banques. Donc j'ai travaillé ensuite chez Equity Bank en tant que responsable de tous les produits digitaux. Et puis il est arrivé un moment où on a quand même pu évoluer avec Schoolup. Donc, d'où Sidstar, on a vu les présidents de la République et tout ce qui va avec et tout. J'ai encore démissionné pour une deuxième fois d'Equity Bank pour maintenant travailler avec Pascal et la Beggy dans Schoolup en tant que directeur commercial. À
Ah, la prochaine émission, ça ne sera pas pour maintenant, parce que là, en ce moment, il y a beaucoup des loups qui veulent vraiment venir pêcher dans ce coup-là, mais ça sera un peu compliqué, parce que nous avons une vision d'une nation, une école, une nation, et nous visons au fait aller dans d'autres pays aussi, donc ça sera vraiment difficile de venir nous débaucher. Bon, à vrai dire, ça ne me dérange pas du tout parce que... À l'époque ? Non, ça ne me dérangeait pas. Non, ça ne me dérangeait pas du tout. C'est vrai que ça faisait quand même plaisir parce que quand tu passes au quartier, on t'appelle le banquier et tout ça. Et jusqu'aujourd'hui, il y a des gens qui m'appellent le banquier, mais je n'accepte plus ça parce que je ne suis plus banquier. C'est vrai que je suis banquier professionnellement de carrière, mais là, je suis dans l'idéologie de l'entrepreneuriat et des startups. La chose qui me fait partir, c'est d'abord la vision. Et je n'aime pas trop travailler sous la pression du privé pour les gens, pour l'intérêt du privé, quoi. Donc c'est ça, au fait, qui m'a poussé à embrasser la vision de Pascal Canic. Ben oui, School Up, c'est le cœur, quoi. En tout cas, à Pascal Canic, je dirais merci. Merci pour la vision. Parce que c'est grâce à lui, au fait, que j'ai eu cette vision du numérique, du digital. Et d'ailleurs, je suis en train de poursuivre mon master en Angleterre, toujours sur le digital et tout. Donc c'est grâce à lui que j'ai su me positionner, quoi. La belle étoile, je dis merci pour tous ses conseils. Et j'appelle Moukouboua, c'est mon Moukouboua. Donc j'ai dit vraiment merci pour ses conseils. Donc je ne peux que dire merci à Madame Grace Ngokwe. Ouais. Elle aussi, bon, au fait, tout ce que je peux dire à tout le monde, c'est merci. À Patrick Bidoua, je le salue, l'honorable. Donc lui aussi, c'est quelqu'un qui m'a vraiment aidé à avancer. Donc je lui aussi merci. Iguala, qui est un grand partenaire pour nous, pour moi personnellement, et un soutien. Aujourd'hui, qui fait la vente, c'est que je faisais à l'époque avec son père, okay, qui est un mentor pour moi. Donc, M. Paulin m'a personnellement formé, parce que j'ai quitté l'Unikin. Je suis arrivé chez Vodacom à travers le programme Elite. On était jeunes, je n'avais pas d'expérience. M. Paulin m'a formé, il m'a reçu, il m'a formé. Toutes les connaissances que j'ai aujourd'hui sur la vente, distribution, stratégie commerciale, c'est lui. Et donc je suis très reconnaissant aussi envers ses parents, je les appelle les parents, et qui nous accompagnent, qui m'ont accompagné à cette époque-là, qui m'a dit « Ok, vas-y, vas-y ». C'était très dur parce que presque 99% des personnes n'acceptaient pas que je puisse lâcher cet emploi qui nourrissait moi et mes proches parfois. Mais on a pris les risques. La même chose que mon collaborateur David Di José, qui avait une grosse opportunité à l'époque, qui a aussi dit non, bon, on prend les risques, allons-y. Donc c'était pas facile. Donc, déjà du départ, au départ, vous voyez qu'on n'avait pas lancé ce coup-là pour la baisse, pour ça. Juste comme ça, par hasard, on a pris des décisions très dangereuses. On va pas danser. C'est l'illustration que le conseil spécial a faite. Justement, on va y revenir. On va pas danser avant la musique, mais c'est déjà trop fort ce que vous dites. Mais on va aller étape par étape, à bâton rompu, comme on l'a dit. Mais aujourd'hui, bizarrement, on parle directement de School Up, on parle directement du conseiller numérique. Mais avant School Up, vous avez eu aussi une histoire. Après Vodacom, vous n'avez pas directement lancé School Up, à moins que je me trompe. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, on peut avoir la chance de connaître l'avant School Up, l'histoire de l'avant School Up? Bon, avant School Up, c'est déjà que j'étais au campus. J'étais étudiant, on avait passé de moyens. Il fallait déjà survivre, il fallait trouver les moyens de vivre. Déjà à l'époque, j'avais une bureautique dans ma chambre. Donc, déjà à l'époque. Déjà entrepreneur. Quand j'ai commencé à l'Unikin, c'était en 2006. Déjà 2008, 2009, j'avais une bureautique qui me permettait de vivre, de manger et tout ça. Donc c'était un esprit qui a commencé à l'époque parce qu'il fallait s'apprêter à affronter le monde d'après. Vous savez que vous n'avez pas de soutien, vous n'avez personne. Et donc il faut vous dire, ok, je me prépare pour après les études.
je ne sois pas en train de trimballer dans la rue. Et cet état d'esprit des combattants, ça permet à ce que je puisse bien organiser ma bureautique. Et comme j'étais toujours dans l'après-université déjà, j'ai fait des formations Cisco avec à Polytechnique avec l'ingénieur Capem et tout ça qui avait géré le centre Cisco. Et ces formations m'ont donné les habiletés ou les qualités de gérer ou de travailler sérieusement. Donc les comme on dit, les skills, les compétences pratiques. Parce qu'à l'université, on avait la théorie, mais il fallait avoir des connaissances pratiques. Et donc j'étais apte à travailler dans les entreprises et j'ai commencé à travailler en première licence à cause de ces formations. Et puis quand j'ai fini, 6 mois après, j'ai passé les tests Vodacom Elite et j'ai eu la chance d'être sélectionné parmi les 30 retenus sur les 1700 candidats et quelque chose comme ça. C'est là où j'ai rejoint Vodacom et tout a commencé là. Et donc je crois que j'ai fait une bonne carrière sur Vodacom. J'ai gravi des échelons aussi jusqu'à quitter. À quitter Vodacom pour School App. Donc si on peut parler de l'avant School App, c'est que sur Vodacom j'ai aussi innové, j'ai créé une application de gestion des archives et tout ça. Après j'ai commencé à réfléchir, un ami m'a dit, mais ce que tu fais ici sur Vodacom, tu peux aussi faire ça pour d'autres personnes. Ah, pour d'autres personnes, comment? Non, il y a un hôpital, tout ça. Oh, voilà, ok, je peux donner aussi à l'hôpital et tout ça. Oh, mais après, je peux créer aussi un truc pour... Ok, après, quand je dis non, mais finalement, ça peut devenir une société, je peux créer une start-up. Et j'ai suivi des formations en ligne et tout ça, j'ai vu que c'était bon. J'avais besoin maintenant de quelqu'un qui pouvait m'accompagner pour la communication, l'organisation et tout ça. J'ai fait appel à un grand frère que je connais, la Bégui José. Je connaissais, je savais qu'il était aussi percutant. Donc rapidement, je lui ai expliqué, regardez la vision, ce qu'on peut faire, les numériques, tout ça, start-up en 2015 à l'époque. Tout ça, on peut créer une société, j'ai déjà un nom, tout ça, la baisse, tout ça, et voilà. Et puis, ah, mais c'est intéressant, moi je suis en train de finir mon master en communication. Je trouve que c'est intéressant, là c'est en 2015. Donc vous voyez que de 2015 à 2020, ça fait 5 ans. 5 ans. On a été ensemble, donc c'est déjà pour dire que... Donc on a, vous avez commencé avec la Besquet. 2015. La Besquet. Oui. La première entreprise de Pascal Canic, c'était la Besquet. Oui. Alors, ça me monte à cœur, j'aimerais vous poser aussi cette question. Qui était le premier agent de Pascal Canic? Le premier agent, parce que quand j'ai fait ça, j'étais encore chez vous, d'accord? J'ai fait appel à un ami, je crois, je ne dois pas faire l'erreur, hein. C'était en 2015, j'ai fait appel à un ami qui s'appelle Arnold, je crois bien, Arnold à l'époque, pour m'assister, parce que j'avais développé sur, à l'époque c'était sur Access et tout ça, mais là je n'avais pas le temps d'aller plus loin. Je lui ai dit, bon, j'ai besoin que tu me fasses et tu me laisses, c'est d'avenir pour tout Vodacom, tout ça, et puis pour d'autres hôpitaux, viens. Et puis il est venu, il a commencé, puis après il est parti. J'ai fait appel ensuite à un autre jeune, je crois que ça doit être, si je ne me trompe pas, c'est... Mais non, mais, c'est Youssouf. Le brun là, c'était... bon, ça tu vas peut-être le passer. Ok. Pas de problème. Je crois que c'était, c'était Franck. Franck, ok. Franck, c'était Franck. C'était Franck, et c'est en même temps que, dès que j'ai eu Franck, on a commencé. Ok. Et je suis allé voir la Bégui maintenant pour dire, ok, j'ai déjà ces produits. Ah, c'était pas encore ce coup-là. La Besquet, c'était pour les hôpitaux et tout ça. Toujours une start-up. Une start-up. Mais aussi, on dit, quand j'ai vu la Bégui, il a dit, mais on peut aussi proposer d'abord aux coordinateurs et tout ça. Pourquoi pas qu'on fait la même chose pour les écoles? Pour les écoles, là, c'est la Bégui qui a proposé qui ça. On a proposé pour les écoles, dans le sens de numériser l'administration. On a dit, ah, mais c'est une bonne idée. Qu'est-ce qu'on peut faire pour les écoles? Bon, on commence ici. Après, je suis allé chez Vodacom, je devais faire des études sur les statistiques et tout ça, il n'y en avait pas, il n'y avait aucune base de données. On a fait avec la Bégui, il y en a l'architecture de la première base de données pour ce coup-là. Il est venu avec l'idée, c'était d'abord son idée propre à lui, c'était pas School App, c'était la Besquet. C'était déjà très innovant. Il est venu m'en parler comme effectivement un collaborateur qui devait l'aider dans la com, ainsi de suite. Et ça a pris tout de suite. Et au fur et à mesure que nous voyons, parce que assez mal le projet c'était MedApp,
un produit très innovant, en principe, qui devait avoir aussi des foires, des projecteurs. Mais après, nous avons mis ça de côté par conseil de ceux que nous avons rencontrés chemin faisant, pour que nous puissions nous focaliser entre plusieurs produits que nous avons sur un. Et celui sur lequel on s'est focalisé, c'est celui que nous avons cofondé, Schoolab, qui devait nécessairement desservir les systèmes éducatifs dans sa partie administrative et pédagogique. Et bien voilà, et ça a marché. Et nous sommes focus sur ça pour le moment. La drôle d'histoire, c'est d'abord d'avoir cru en lui, qui était un employé de Vodacom, un salarié, et moi qui étais assez mal étudiant à l'université catholique. Il est venu me faire la proposition et on croyait que c'est naïf quand même, que toi tu es étudiant, l'autre est employé et quelque part qui vous propose une idée, vous trouvez que c'est une idée bien. Bon, entre nous soit dit, on se disait déjà que nous allons créer quelque chose, mais on ne savait pas c'était quoi. Ça, c'était déjà depuis avant. Alors, mais après, avec cette idée-là, ça a bien marché. Mais maintenant, quand nous avons fait chemin, il y avait beaucoup de gens qui pouvaient croire que ça pouvait ne pas marcher. Et c'est comme ça, d'ailleurs, pendant que ce n'était même pas encore très clair, moi, nous sommes allés nous faire conseil un jour, je me souviens encore très clairement comme si c'était hier, chez auprès de Monseigneur José, qui l'écoutait, en train de développer les idées, et qui dit: Guy, et toi, dedans, qu'est-ce que tu vas faire? J'ai dit: non, ben, c'est des idées que nous allons développer ensemble. Il dit: mais avec ta formation, nous, on a pensé que tu pouvais quand même aller à la CINCO, une proposition comme ça pour faire la communication de la boîte. Là, quand même, il y a un salaire qui, c'est quand même une petite garantie. Et puis, tu auras un logement, c'est aussi une petite garantie. C'est que vous allez commencer, ça n'a pas encore pris forme. J'ai dit: non, mais nous y croyons, laissez-nous un peu le temps, nous allons le faire. Donc, du coup, la CINCO, ça donne du pain. Ben, mais moi, j'ai opté pour l'idée folle. Non, le moment, pas de regrets, mais je savais que en optant pour l'idée qui n'était pas encore concrétisée, je prenais un risque, mais un risque qui n'était pas démesuré. Je savais que ça devait porter des fruits. Alors, entre les doutes, et le plus grand doute est arrivé au moment où nous devions faire la présentation de notre concept Schoolab à Seedstar. Et la petite blague, c'est que quand nous avons fait la présentation le premier jour, la liste qui était sortie pour la présentation, nous n'étions pas dedans. Oh. Alors j'appelle Pascal, je dis: Pascal, est-ce que nous sommes dans les bons? Je me souviens que ce soir-là, au restaurant en Suisse, nous n'avions pas eu d'appétit, nous étions végétariens. Et même, il y a même celui qui était notre mentor à ce moment-là, qui venait de notre Congo, chez Papa François, Ingenieur City. Alors il est venu nous encourager ce soir-là pour dire que bon, vous avez fait l'essentiel, de toutes les façons, vous avez été nominé, vous êtes déjà ici en Suisse, courage. Et lui, il prenait l'avion pour nous laisser. Mais le soir, on a fait un peu de répètes pour voir comment est-ce qu'on pouvait se présenter demain au cas où. Non, nous n'étions pas dans la liste de ceux qui devaient pitcher. Oui, comme présenter des structures qui existaient innovantes, parce que nous avions, c'était costaud. Il y avait tout ce qu'il y a comme un pays émergent. Hein, vous voyez l'Arabie Saoudite, vous avez la Chine, vous avez tous ces pays-là, l'Amérique du Sud, vous avez toute l'Afrique, des pays anglophones qui étaient un peu en avance. Il y avait un peu de doutes. Mais après, on a continué à croire. Et puis, le matin, il n'y avait pas encore quelque chose qui circulait dans le couloir. Mais on s'est préparé avec Pascal. On s'est préparé. Et puis après, je me souviens encore, peut-être que vous allez voir dans la vidéo, l'homme qui a porté le drapeau. Pascal m'a dit: prends d'abord le drapeau du pays. J'ai dit: drapeau du pays, pour que nous puissions nous vêtir de la honte du pays. Il dit: non, prends d'abord le drapeau du pays. Ça, c'est Pascal. Oui, oui. Après quelques instants, quand l'événement devait commencer, on nous invite un peu plus devant. Alors, je regarde Pascal, je vois, j'ai senti maintenant, mais j'ai respiré par la gorge. Alors, et nous sommes allés quand même nous asseoir, et puis voilà, il y a eu cette proclamation-là. Mais c'était inédit. De la honte à la gloire, comme on peut le dire. Et puis, lui, il est passé, j'ai pris mon drapeau RD Congolais. Je dis: de toutes les façons, c'est le pays que nous défendons. Et puis, c'était. On a passé une soirée sans sommeil. On n'en revenait pas. Parce qu'effectivement, nous venions d'une galère terrible. La galère, pas liée à l'absence d'argent nécessairement, mais comment est-ce que ça va évoluer? Est-ce que l'aventure que nous avons commencée va vraiment.
Le meilleur souvenir, c'est d'abord, oui, et après Sistar, c'était que après l'écosystème a commencé à croire en nous, ces souvenirs-là. Je me souviens quand on a, quand nous devions revenir ensemble, moi je voulais encore rester fêter encore cette gloire-là en Suisse. Et Pascal m'appelle, me dit, nous devons voir le président de la République. J'ai dit, mais c'est pas possible. Il dit, oui. Est-ce que tu peux arriver à Kinshasa dans deux jours? J'ai dit, non, je n'ai pas prévu ce voyage-là. Mais je ne crois pas déjà que le président va vous recevoir. Il dit, si, vous allez voir. Je me souviens, le jour où je reprenais l'avion pour revenir au Congo, il me dit, si tu arrives à 12h, nous serons reçus à 14h. Tu peux nous rejoindre. J'ai dit, non, vous allez. Et quand j'ai vu les images, après, j'ai des larmes. La liberté de penser. Il a des opinions libres. Et quand il croit à quelque chose, c'est bien. Et puis moi, je suis content comme ça. Et il y a beaucoup de choses sur lesquelles on n'est pas d'accord. Mais après, le compromis, c'est quoi? C'est la raison. Ouais, bon, mais il a aussi un grand sens d'imagination. Inné, en quelque sorte, parce que je le connais depuis. Nous avons grandi ensemble. C'est presque inné, c'est vrai. Et ça, c'est sûr, inné. Mais alors, après, quand vous combinez, c'est comme nous avons comme un puzzle très grand. Et il peut jouer, puis je reste complété. Je peux jouer, puis il complète. Et c'est merveilleux. Mais ça fait déjà 5 ans que nous avons commencé l'histoire ensemble. Je ne sais pas quand est-ce qu'on s'est jamais assis pour discuter sur les points de vue divergents, non? Non, on n'y a jamais pensé. Ça suffit qu'il faut nous distinguer. La vie professionnelle et notre vie privée, nous avons une vie privée, nous sommes presque, voilà. Mais après, la vie professionnelle, non, il n'y a pas de divergence, parce que c'est, quelqu'un peut avoir raison, hein, et il a raison, ce n'est pas son âge. Bon, la leçon entrepreneuriale, d'abord, c'est qu'au départ, quand vous créez quelque chose, il faut savoir vous entourer. Ça, c'est très important, avoir des collaborateurs qui comprennent les concepts, la vision de ce que vous faites. Et je crois que sur ce point-là, peut-être qu'il a trouvé qu'on avait une vision commune. Et bien voilà, ça ne prouve pas le contraire jusque-là. C'est notre boîte. Je suis cofondateur, c'est tout à fait normal. Non, mais je remercie d'abord tout l'écosystème. D'abord, quand je parle de l'écosystème, toutes les autorités. Il a cité Monseigneur José Moko, il a cité Monsieur Paulin Ikuala, il a cité tous ces partenaires-là qui ont cru en nous dès le départ. Et ce n'était pas évident que moi, comme prêtre, que l'évêque puisse accepter que je puisse être en détachement pour faire ça. Je dois les remercier. Je remercie le président de la République qui croit en nous. Je remercie le gouverneur de la province de Kinshasa. Et je remercie le ministre de l'EPST. Je remercie le ministre national et provincial de l'EPST, mais aussi les autres gouverneurs qui ont déjà jeté les jalons pour que nous puissions collaborer avec eux, notamment le gouverneur Richard Mayenge, qui a déjà notre projet sur la table. Certainement, c'est avec possibilité que nous puissions lancer dès la rentrée. Le gouverneur de la province de Haut-Uele, qui travaille déjà avec nous, le gouverneur de la province de Bandundu et de l'actuel Kwilu, qui va lancer certainement aussi avec nous, et puis tous nos partenaires des écoles privées. Mmh. Et c'est parti de cette architecture-là. Mmh. C'est là où est né Schoolab. Oui, c'est comme ça que j'ai dit la question. Je vais reprendre reprendre ma question. Quand est-ce qu'est né exactement Schoolab? Quand est-ce que vous avez abandonné, si je peux me permettre de dire, la Beski pour vous investir totalement dans Schoolab? Ce n'était pas automatique. On a commencé la Beski, on a fait un parcours, on avait 3-4 solutions. C'était un laboratoire. À un moment donné, on a estimé, avec les conseils de vieux comme Félix Amouna, qui gère Ingenieur City, ils nous ont dit non, c'est très bien tout ce que vous avez, mais il faudrait vous concentrer sur un seul produit d'abord et mettre toutes vos énergies sur ça. C'est là où, avec la Beki, on a dit bon, on a Schoolab, on a MedApp, on avait la Best Box. Okay. 3 produits. On dit bon, écoutez, on va décider. Des applications d'abord. Des applications. Scorebox et tout ça. Maintenant, la Vescompta, il y avait des applications comme ça. Maintenant, ils ont dit
Ils nous ont conseillé d'abandonner tout et d'être focus sur une application qui était ce coup-là. C'est à ce moment-là qu'on a dit, ok, la baisse qui reste un laboratoire pour produire des applications, mais pour produire des start-up comme Skoula. Et on a décidé en novembre 2018 de créer maintenant Skoula comme société. De 2015 et 2018, on crée Skoula en 2018. Oui. Alors Skoula vous a amené jusque dans Six Stark. Alors, je vous conseillerais, mesdames, messieurs, de suivre cette petite vidéo de Sid Stark, si j'ai bien prononcé, bien sûr, Sid Stark. On va suivre cette vidéo si nous sommes des mèches avec mon équipe et nous allons revenir pour continuer avec l'histoire émouvante de Pascal Canic et Skoulap. Alors, si nous sommes des connivences avec la régie, on va suivre cet élément et on va se retrouver tout juste après. C'est parti en image. Ladies and gentlemen, please look at this photo. This is the data warehouse or school report from DRC. Could you imagine that people are making decisions based on this kind of report on education? It is a chaos. On top of that, teachers have poor material to prepare their lesson. This critical situation led her to create Skoolab, a platform that provides access to digital lessons for teachers and access to the MIS for decision makers. With 18 million students and high population growth rate, DRC is a huge opportunity for Skoolab. We make money by charging to school $1.2 per student per year, and we have already reached 70,000 students in 4 months. We are looking for $215,000 to achieve 4 million by 21. We have the first master, the first mover to the market with an agreement for 2 million students, and we strongly believe that by improving quality of education, we will end poverty. Thank you.